Et Ruiz, pas beaucoup de possibilités, la petite passe, intéressant. Ley, la frappe, c'est magnifique, c'est but. Là, ça fait partie de mes premiers mois à Gand. Elle n'est pas facile à mettre, mais ce qui était important pour moi dans la finition, tu vois qu'au moment où je contrôle, le gardien ne peut jamais s'attendre à que je frappe. Donc ici, l'enchaînement doit être très très rapide dans ce sens-là, donc il est surpris quand je frappe. Premier coup franc intéressant pour le Standard. De Four, bien donné ce ballon, c'est goal! But pour le Standard, Mbaye-Ley. Il n'y a pas mieux, je pense, que pour mettre les supporters dans sa poche, de marquer sur un classico, c'est super important. Et je pense que cette équipe était assez costaud, assez fort. Et dans cette équipe-là, j'étais important dans le sens où je savais jouer à beaucoup de positions. J'ai même joué une fois arrière-gauche au Germinal Beerschot avec cet homme-là qui était magnifique, Dominique Donofrio, qui nous a quittés parce que c'était un papa pour tous ces joueurs-là. Et on voit aujourd'hui Serge Conceição qui était son adjoint. Qu'est-ce qu'il est devenu dans le monde du foot, un grand entraîneur. Van Damme, bonne balle. Ouais, pas mal aussi ça, avec Arzo qui prend... Ah, c'est but, non ? Oui, c'est but. C'est goal, magnifique ! Magnifique ce but de Ley ! C'était la première fois que je revenais à Gand, quand j'ai quitté Gand pour aller au Standard. Et là, on était mené 1-0. Et sur cette phase-là où le ballon rebondit, je vois Jorgasevic qui est avancé avec la déviation de Franck. Et là, le temps d'hésitation des défenseurs, je me suis dit que c'était la seule chose possible pour marquer ce but, essayer cette bicyclette. Elle est magnifique, je pense que c'est des buts que je regarde encore de temps en temps, que je me dis qu'en Champions League, on voit Ronaldo faire des bicyclettes comme ça. Et je me dis au moins j'en ai mis une fois un but pareil, donc ça fait plaisir de revoir ces situations-là. C'est un des plus beaux matchs de ma carrière. Je pense qu'à Bruges, on n'a jamais vu le COP derrière applaudir des buts contre Bruges. Et c'est la seule fois où je vois tout le public de Bruges derrière le gardien qui m'applaudit. Et là, tu te dis, tiens, j'ai réalisé quelque chose d'exceptionnel. C'est le club où j'ai marqué le plus de goals dans ma carrière parmi mes adversaires. J'ai eu la chance ou la malchance de pouvoir signer à Bruges presque 3 fois dans ma carrière et ça ne s'est jamais fait avec des négociations qui n'ont jamais abouti. Et je rigole toujours avec Vincent Manat en disant voilà, c'est pour ça que je marque des buts contre vous. Dernier but de ma carrière avec une passe de Selim Amala. Pour moi, Moukron, ça restera toujours spécial parce que j'estime qu'aujourd'hui, il est retrouvé presque inexistant. C'est très triste pour ce club, pour ces gens-là. C'est la dernière. J'ai toujours voulu jouer dans ce club-là. Quand on parle de club familial, ça, c'est un club familial parce qu'avec rien, ils ont pu rester pendant très longtemps en première division. Ils ont su sortir beaucoup de grands noms dans le football belge. Oui, c'était une belle carrière, on va dire, avec beaucoup de choses que j'ai appris. Et ça m'a permis aujourd'hui de faire cette deuxième carrière qui est entraîneur de foot.